Mes petits champignons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On part pour du shopping d'automne. Je suis trop contente. J'attendais cette journée avec extrêmement beaucoup d'impatience. Ce jour est arrivé, on y va. Le but, c'est de trouver de la déco, un petit peu de déco pour ma table automnale car je fais un repas automnal avec mes copinettes le week-end prochain et de se faire plaisir. Petite tenue très confo pour le shopping, jupette, gros pull, et petit veston, et on est parti. De base, mes champignons, je voulais aller dans une boutique qui m'a l'air absolument extraordinaire parce qu'elle regroupe énormément de décorations d'automne et tout. On n'a pas ça en France en général, sauf que c'est à 1h30 de chez moi. J'ai la flemme de perdre 1h30. Aller-retour, ça fait 3 heures de route. Donc, j'irai pendant les vacances. Et là, on va se contenter des boutiques plus classiques, style B&M. Jiffy, parfois ils font de très belles décos. Je vais aussi aller dans une petite jardinerie. Je croise les doigts parce que là-bas, la décoration de Noël, elle est incroyable. Et automne, je sais pas trop, on verra. Donc c'est parti, j'ai hâte. Mon aventure a d'abord débuté rapidement à Action. J'ai déjà fait le tour des décos, mais j'avais envie de voir s'il y avait des petites nouveautés. Et je suis vite allée au Grand Cercle, d'abord pour acheter des livres. Et ensuite, je suis tombée sur ce coin déco absolument fabuleux, avec des décos automnales qui changent un petit peu. Je trouvais ça plus vintage, j'aimais bien surtout les champignons et j'ai craqué sur deux petites choses que je vous montre à la fin de la vidéo. C'est rare de voir de la déco automnale dans les magasins quand on sort un petit peu des Action, Jiffy, les magasins comme ça, donc j'étais trop contente de tomber sur ce petit coin que je trouvais quand même bien fourni. Ensuite, je me suis dirigée vers Jardinland. Les décorations de Noël sont absolument magnifiques là-bas. Donc je me suis dit, il y a un petit espoir pour l'automne, mais pas du tout. Il y avait un tout petit rayon, les sirops Monin, quelques gourmandises, mais vraiment pas grand-chose. Alors je suis vite partie à Jiffy. Et là encore, j'ai été déçue parce qu'ils avaient déjà sorti les décorations d'Halloween. Et donc, l'année dernière, j'avais trouvé quelques petites choses décorations automnales. Mais là, vraiment rien du tout. C'était que le thème Halloween. Et donc, je vous laisse avec ces quelques petites images. Je ne m'avoue jamais vaincue, je suis donc allée à B&M et je n'ai pas été déçue, il y avait quand même un joli rayon cosy, mais comme vous pouvez le voir, beaucoup de décorations halloweenesques, vraiment beaucoup, et des très chouettes. Et dommage, la collection automnale n'était que peu fournie, mais j'ai quand même trouvé mon bonheur. Je vous montre ça pareil à la fin de cette vidéo. Quelle journée intense, mes petits champignons. Et j'ai pas lâché le steak, j'ai vraiment fait grave des boutiques et je suis très déçue car je n'ai pas trouvé grand chose. Mon micro est bien mis, alors c'est parti pour vous montrer ce que j'ai trouvé tout de même. Je suis quand même contente de mes trouvailles, mais on est déjà sur des décorations d'Halloween, genre... Et les décorations de Noël, évidemment. Laissez-nous respirer un petit peu, en fait. Laissez-nous respirer. Quel nectar des lieux! J'avais méga super hâte d'aller à la petite jardinerie dont je vous avais parlé parce que les décorations de Noël là-bas, c'est une pépite. Vous les voyez dans mes vlogs Noël. Mais il n'y avait absolument rien. Vraiment, il n'y avait rien de rien. Il y avait quand même le sirop Monin au Pumpkin Spice Latte. Moi, je ne l'apprécie pas beaucoup. Mais par contre, je me suis pris ces petits sirops pour mon café du matin. Ils sont très bons, ils sont très bons. Alors c'est archi sucré, mais j'aime beaucoup ce coffret parce que t'as au caramel, à la vanille, saveur gingerbread, c'est mon préféré, un peu cannelle et tout ça. Noisette, il est très bon aussi, et saveur amaretto, arôme naturel, machin, machin. Bref, ils sont
très sucré. Il faut aimer le sucré. Mais moi, à l'école, je bois un café. C'est la machine Tassimo, tu vois. Donc, c'est des cafés de pas très grande qualité. Et quand tu rajoutes une petite touche caramel ou hazelnut, et ben c'est quand même délicieux, ça passe tout seul. Donc, un petit plaisir gourmand. Mais si vous cherchez le sirop, le fameux sirop à la citrouille, normalement, vous pouvez le trouver chez Jardineland. Alors, je vous ai pas du tout montré, je suis allée chez Centracor pour voir ce qu'ils avaient. Il y avait absolument rien, donc j'ai rien filmé. Mais j'ai quand même trouvé ces petites serviettes. Je les avais déjà achetées l'année dernière. Centracor, j'aime bien la décoration, forcément, elle est très très belle. Sauf que c'est exactement ce que tu retrouves sur Shein. Vraiment le même emballage, tout. Tu vois, enfin non, peut-être qu'ils changent un peu l'emballage, mais t'as exactement les mêmes choses sur Shein, et c'est vrai que ça me fait chier parce que je sais que c'est la même qualité que Shein, je sais qu'ils ont les mêmes fournisseurs que Shein, sauf que t'achètes trois fois le prix, donc ça fait mal aux fesses. Donc je n'y vais que très rarement. Là, je suis tombée sur ça, j'étais obligée de craquer. Elles sont quand même très mignonnes pour mon repas automnal, ça sera parfait. BM, c'est clairement là-bas que j'ai trouvé le plus de choses, mais encore une fois, j'étais déçue parce qu'ils ont déjà mis les décorations d'Halloween, du coup, bah ils ont next les décorations d'automne. Ça me fout droit. Comment tu peux faire ça? On est le 26 septembre, bordel! Elle est trop mignonne. J'ai craquitos. On va bien ensemble! J'ai craqué pour cette tasse qui, ma foi, est archi originale. Genre, vraiment, j'ai jamais vu ça. Je la trouve trop mignonne. C'est quoi, déjà? Tasse gland. Mais attends, mais... Oui, c'est un gland. On est d'accord, mes champignons? Ça, c'est un gland. Il me fait rire, ce mot. Oh là là, perverse. Petit mug cozy. J'aime trop les étiquettes qu'ils ont fait. Petit cozy, c'est simple et doux, mais j'aime bien. Comment ils appellent ça? Mug automnal avec couvercle. D'accord que c'est un gland. Je pense que c'est un gland. Et je le trouve trop beau. J'ai hâte. En plus, il est bien gros. J'ai hâte de l'ouvrir, là. Attendez. On est sur un gros mug. Ah, c'est satisfaisant. J'adore. Surtout que moi, je suis la meuf qui pose son café et qui l'oublie. Et bah, j'aime bien avoir quelque chose pour le protéger. Trop bien! Lui, je l'ai vu normalement dans la vidéo de Juliette, si je ne me trompe pas, dans son dernier vlog. Elle était aussi allée chez BM et elle avait craqué pour un petit champignon lutin farceur, trop mignon. Non mais désolé, mais il est trop chou. J'en ai un que ma maman m'avait acheté à Provins au marché, donc style Noël. Donc je me suis dit, bah, je vais acheter son petit frère, style champignon automnal. Il est trop mignon! Oh, attends, on va te mettre là! Le style de petit bonhomme qui me fait penser à Hilda. Décoration d'Halloween, j'ai craqué pour ça. J'en ai absolument pas besoin. Mais désolé, mais c'est trop mignon. Moi, c'est le genre de truc... bon, c'est du plastique, ça sert à rien, mais c'est trop chou. Je vais mettre mon matcha froid là-dedans. À Halloween, pendant la saison spooky, c'est parfait. Et regardez-moi cette petite tasse fantôme. Ah non, mais je l'ai trouvé trop chou. J'aime beaucoup le contraste rose avec ce noir et blanc. Et d'ailleurs, les décorations d'Halloween à BM étaient très belles parce qu'il n'y avait pas que des trucs un peu rigolos, voilà. Il y avait aussi des vrais objets de décoration qui étaient vraiment beaux. J'en ai filmé quelques-uns. Si tu te chauffes à faire un repas d'Halloween, tu vois, je pense que tu peux faire vraiment une table classe très jolie. Bon, enfin bref, revenons à ce bol trop mignon. Genre, sa petite tête, et quand je vais mettre des petits trucs dedans, il va prendre son bain dans ses cacahuètes. C'est trop chou! Ou dans ses céréales. C'est tout pour BM. Alors, on n'est pas sur de la déco, mais j'ai quand même envie de vous montrer. Je suis pas chez New Yorker. Et pardon, mais j'ai trouvé le pull le plus doux de la Terre. Vous n'allez absolument rien voir, mais je l'adore. Il est trop beau, il est tout doux. Je suis trop contente. Et mes champignonnettes, bon plan chez New Yorker. Il y a de la lingerie. Magnifique. C'était vraiment pas cher, l'ensemble je l'ai eu pour 17 €, il est trop beau, il y avait de très beaux ensembles, donc mes petites champignonnettes, si vous avez envie de vous sentir un petit peu sexy ou confortable d'ailleurs, et pas sexy mais juste mignonnette, allez-y. Action, je me suis dit mais meuf, n'y va pas, enfin tu connais toutes les décos d'Action, c'est bon, t'as fait, t'as refait, t'as fait, Action n'y va pas. J'ai craqué. Oh regardez-moi ces détails. Je le trouve trop mignon. Rien à voir avec la déco, mais je me suis pris cette grosse gourde pour le sport. Et honnêtement, moi, les gros trucs comme ça, ça m'aide beaucoup à boire énormément. J'en avais une que j'avais achetée à Jiffy. Je l'ai pété. Et ce qui me fait boire beaucoup, c'est ça. La paille. La paille me fait beaucoup boire. Je suis un enfant, mais j'ai besoin d'une paille pour boire beaucoup plus. Très satisfaite de cet achat. Ça fait vraiment la pick me originelle, genre. C'est grave le mug que toutes les Américaines ont dans leur voiture. Et c'est ridicule. Parce qu'il est énorme. Mais honnêtement,
J'avais trop envie de la voir. En tant que professeur des écoles, j'ai besoin de m'hydrater tout le temps. Et vu que je n'ai pas le temps parce que je suis tout le temps en train de m'occuper de mes élèves, hop, j'attrape mon gourdin, je bois mon gourdin, je le pose. C'est rapide, c'est pratique. Mais je l'adore! Je suis la pygmée originelle! Je me suis pris ça à Action pour ma table d'automne en décoration, ça c'est vraiment pratique. J'avoue que j'en ai déjà ramassé en forêt, ils ont tendance à pourrir un petit peu, donc c'est plus pratique de les acheter en magasin, même si évidemment je préfère des choses qui viennent directement de la forêt. J'ai pris deux sachets comme ça de rondins de bois. Rondins de bois? Wooden slice, rodin de bois, je crois que ça se dit comme ça. Bref, pour qu'on fasse de la peinture avec mes copinettes, je leur ai acheté des petites citrouilles, on va faire de la peinture dessus. Et j'ai pris des rodins de bois et je pense que ça va être cool, on pourra faire un peu de peinture dessus. Je suis aussi allée au Grand Cercle pour faire mon petit achat boucole automnal. Et je vous ai montré, il y avait de la déco, donc j'ai craqué sur ces bougies. Je les trouve trop mignonnes, j'hésite à les allumer parce que vraiment, je les trouve trop choux, tu vois. Je les ai pas vues passer dans... sur d'autres sites ou trucs comme ça, je les trouve kiki, elles sont mignonnes, simples, elles font le taf. Et j'ai aussi pris les feuilles et honnêtement ça allait au niveau du prix, on est sur du 2,99€. C'est cher, ça reste des bougies, mais généralement la décoration là-bas c'est beaucoup plus cher. C'est tout pour moi mes petits champignons, vous avez vu c'est vraiment un tout petit butin, mais écoutez ça fait du bien à mon porte-monnaie, c'est pas plus mal, j'ai déjà beaucoup de décorations automnales à la maison, ça m'a juste fait plaisir de passer cette journée avec moi et moi-même, de faire du shopping, de voir de l'automne et de vous filmer cette vidéo, donc j'espère que tout de même qu'elle vous aura plu, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à me laisser un commentaire.